Salut tout le monde, c'est Fulito. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 29 de notre aventure sur Dead Space. J'espère que vous allez bien. Bon, je vous dis pas comment je vais, hein. Je pense que vous en doutez, j'ai super peur. Notamment que de cette connasse là qui arrête pas de chanter. Alors je sais pas, est-ce que c'est des voix que Isaac entend dans sa tête, j'en sais rien. Mais ça me fait flipper. Je déteste ça. Et bon ben on va... tais-toi s'il te plaît. S'il te plaît. J'ai peur. Mon dieu. Donc, la dernière fois. Eh bien nous avons quitté l'USM Valor, donc une fois qu'on avait récupéré le réacteur. Tais-toi s'il te plaît. Voilà, donc nous avons récupéré le réacteur et donc nous avons changé de chapitre, donc chapitre 10. Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est super. Je crois que c'est... Non, je sais plus comment il s'appelle. Est-ce qu'on voit le nom du chapitre? On voit pas le nom du chapitre. Bon, je sais plus c'est quoi le nom du chapitre. Enfin bref. Bah si, attendez. On le voit là. On le voit là, le nom du chapitre. Oui, la fin des temps. Ah ouais, c'est vraiment la fin des temps là. Enfin bref, et donc nous avons donc changé d'environnement, hein. Nous sommes dans une ambiance un peu plus sombre, j'ai peur, voilà. Donc la dernière fois, eh bien, nous n'avons pas fait grand chose, nous avons récupéré une carte navette, une sur trois, même si c'est pas notre objectif principal, parce que notre objectif principal c'est tout là-bas à droite où on doit récupérer la clé de maintenance. Mais moi j'avais déjà récupéré une carte de navigation en allant à gauche en fait, où il y a le terrain de Zebol. Et donc c'est ce qu'on a fait la dernière fois. En parlant du terrain de Zebol, je l'ai fait, donc j'ai récupéré des petites choses sympas. Alors un petit peu de soins, je crois que j'ai récupéré un peu de munitions. Et notamment un semi-conducteur Ruby qui est pratique, donc on va aller le vendre tout de suite. J'ai très peur, espèce de connasse. Peux-tu te taire? Oh là là, non mais sérieux quoi. Je déteste cette ambiance. Honnêtement, je déteste. Je sais pas si vous aussi. Donc on va vendre. 10 000, c'est bien ça. Ah oui, sans regret. Et on est parti. Nous allons remonter. Sauvegarder. Et partir. Avant ça, je vais juste me moucher, donc je vais couper mon micro, je vais juste me moucher parce que c'est un peu enrhumé, voilà. Bon, ça fait du bien. Alors, on va se regarder. On est parti. On va aller là-bas. Oh, j'espère qu'il n'y aura pas de créatures. Est-ce qu'on devra descendre? À mon avis, je pense qu'on devra descendre. Bon, je sais pas si ça sera un long épisode. Ça, je peux toujours pas récupérer. C'est vraiment très bizarre. Je peux pas récupérer dans le mur. J'ai pas d'explication. Si jamais vous en avez une, ça serait bien. Donc, nous, on va avancer. C'est quoi ici? Zone résidentielle. D'accord. Oh non, pas lui. Quelle raison de vivre pouvez-vous trouver quand tout semble si désespéré? Le docteur Cross avait des croyances, une grande foi. Maintenant, elle attend sa transformation pour renaître. Êtes-vous prêt à la suivre, monsieur Temple? Non. Bien entendu. Ne craignez rien. Vous jouerez votre rôle très bientôt. Soyez le témoin du miracle d'emploi. Ça taré lui. Ils sont prêts. Prenez-les.
Ils sont à vous. Par là qui... J'entends des bruits bizarres. Et sur ce sol, on peut pas marcher vite, tu me rappelles. Oh non, de Dieu, je n'aime pas. Oh le pauvre, il est mort. Nom de Dieu. Bon. J'ai pas confiance. De quoi? Ah oui, là-bas. J'ai pas confiance, j'ai peur. Pourquoi faire ça à moi? Hein? Pourquoi me faire ça? J'ai vraiment peur là. C'est abusé, sérieux. On va courir dans le petit coin. Quand on est dans les petits coins, j'ai confiance. What? Musique? Pourquoi la musique elle s'excite? Ne me faites pas ça. Oui. Arrêtez. Arrêtez avec la musique, s'il vous plaît. Ah! Sérieux quoi? Il y a des trucs en bas, je crois. Je crois qu'il y a des créatures en bas. Je suis pas sûr, mais je crois. Je crois que ça va être le... Je crois que ça va être... Le gros portail. Attendez, attendez, j'entends là parce que la créature elle va arriver quelque part. Où va-t-elle arriver? Oh là là, même la chaise me fait peur. Oh là là. Pourquoi? J'ai rien fait, moi. Attendez, j'ai rien demandé. Oh, les pauvres. Non. S'il vous plaît. Soyez gentil avec moi. La créature, elle, je l'ai vue. Elle va arriver où? Quand? Pourquoi? Pour qui? Comment? On va récupérer ça. On va un peu recharger tout, hein. On va se préparer. J'ai peur, comme d'habitude. Ça m'énerve. Ah. Mais pourquoi? Pourquoi me faire ça à moi? À demander, moi. Alors, attendez. D'accord. Bon, pas le choix, faut y aller, quand faut y aller. Allez. S'il vous plaît, mourez. Je m'en doutais. Ils sont morts? Non. Il y a encore une petite créature dégueulasse quelque part. Je crois.
Quelque part, je crois. Heureusement, j'ai eu le... J'avais le trancheur. Très utile, quand même. Le trancheur. Arme que je recommande. Bien évidemment. Énergie plasma, ça c'est bien ça. Ouais, alors attendez, hein, on va un petit peu tout fouiller, on va récupérer tout ce qu'il y a à récupérer. On va flipper tout ce qu'il y a à flipper. Non, en fait c'était pourri ce que je viens de sortir. Écoutez, quand je suis stressé, hein, je sors des trucs bizarres. Ne m'en veuillez pas. Alors, par contre, les mecs qui ont fait ce jeu. Ah, ah non, ah non. Ah, ah, désolé si je vous ai fait peur. Si je vous ai détruit les oreilles, je suis désolé. Mais attendez. Hey. Je vais juste récupérer une caisse, moi. Oh oh. J'ai récupéré la carte. Ce qui veut dire que, en général, dans les jeux, quand on récupère un objet important, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'après, eh bien, ça devient le bordel. Et donc, quand ça devient le bordel, qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de créatures. Et donc, s'il y a plein de créatures, ça veut dire que je vais avoir peur. Et si j'ai peur, je vais faire n'importe quoi et je vais peut-être mourir. Donc, ça veut dire que là, eh ben, on va devoir remonter en sachant pertinemment qu'on aura peur et qu'on va se faire avoir. Et il faut descendre en plus. Super, il faut descendre. Bon, il y a pas de sauvegarde juste à côté, donc ça va quoi, mais bon. On a plus de munitions de quoi? Méga PK comme d'habitude, donc on va sortir le méga PK. Méga... J'ai oublié un truc. On va redescendre, j'ai oublié. Je sais pas si vous voyez, il y a un truc orange qui brille là-bas. Ouais, voilà. Autant le récupérer. Bon, on va mettre un petit soin d'abord. Et c'est parti. Ça fait combien? 13 minutes. Oh, ouais. Je pense pas que ce sera un long épisode. Alors j'avance très lentement, je sais. Hein. Mais on va dire que j'ai vraiment pas beaucoup de temps de tourner en ce moment. Puisque je l'avais dit il y a pas longtemps, je suis actuellement en stage. Donc je quitte assez tard. Monsieur Clark. Je dois vous parler. Je suis tout près de votre position. Et si vous voulez entendre ce que j'ai à vous dire, je peux tout vous expliquer. Tout ce qui s'est passé. Une fois que vous aurez les disques, je vous ouvrirai le poste de sécurité. Il faut qu'on parle. Faites vite. Ouais, ouais. D'accord. Enfin bref, donc je disais, je suis en stage. Donc vu que je suis en stage, qui est assez tard, et j'ai pas beaucoup de temps de tourner. Donc... Je tourne. Ben, je dois faire des épisodes assez courts en fait au final. Mais bon, ça reste regardable, ça reste bien quoi. Alors, il y avait une créature dans le couloir, donc je pense que dès qu'on va ouvrir la porte, ça va nous peuper à la gueule. Mais. Nous n'avons pas le choix. Ok. Où est-elle? Purée, j'ai pas regardé, moi. Où dois-je regarder? Devant, derrière, à droite, à gauche. Ouais, alors attendez. Thank you.
On va déjà tuer la créature. On va déjà se soigner. Ça serait peut-être une bonne idée. Wouah, d'accord. Restons en mouvement. Ouais, alors attendez, on va quand même balancer encore un petit soin. J'ai vraiment beaucoup, plus de soins, j'ai plus de munitions, j'ai que dalle. Oh. Comment je vais faire? Ça lui fait rien. Ok, d'accord. Ça sert à rien. On va récupérer ça, on va récupérer ça. Méga PK, ça va rien lui faire. Attendez. Ok. Ah, je m'en fous de ça, moi. Ça leur fait rien. Faut les découper. Avec quoi je les découpe? Y'a rien pour les découper. Allez, voilà. Et B. Et B. Ok, donc on se retrouve sans munitions maintenant, c'est super. Ah si, méga PK, mais le méga PK il va pas nous être super utile là. Ce serait bien de l'énergie plasma en fait. T'as rien à... Ah si, t'as des crédits à me donner, je m'en tape des crédits en fait. Honnêtement, je m'en tape complètement. Oui, alors attendez, hein, on va quand même fouiller dans les pièces. Je pense que dans les pièces, il doit y avoir des trucs bonus. Je l'espère en tout cas. Voyons. Alors, il y a un truc pour aller à gauche, mais je crois que c'est bouché. Et là, il y a une petite pièce. Alors, on va voir déjà à gauche. D'accord, c'est bouché. Petite pièce là. Toilette. Oh, ça me fait peur les toilettes. Des crédits, mais je m'en tape complètement des crédits, sérieusement. Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir D'accord, je sais pas, on aurait dit qu'il y avait un truc derrière. De la lumière. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, attendez, parce que... On est d'accord, il n'y a pas de stock et tout. Le mieux, ça serait de retourner au stock et de... De prendre des munitions. Enfin, d'acheter des munitions, mais... Bon, attendez, on va sauvegarder quand même. On va descendre, on va sauvegarder et on verra bien comment ça va se passer. J'espère que je vais récupérer des munitions parce que là, j'ai... D'accord. J'ai très peur. Non, ça, méga PK. Mais des munitions seraient les bienvenues. Ah bah déjà. Oh, des crédits. Sérieusement, des crédits. Bon, c'est bien pour acheter l'armure. On sera tranquille comme ça, mais bon... C'est pas ce que j'aimerais avoir là. Ça va être le bordel ici. Obligé que c'est le bordel ici. Oui. Non mais oui.
Oui, bah oui, tout à fait. Voyons. Le système de survie du dortoir B est coupé. Il va falloir trouver un autre chemin dans le coin si tu veux atteindre la porte. Ouais. 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 Mais oui. Mais c'est clair. Alors, il y a point de sauvegarde là. À droite, c'est fermé. Devant, c'est ouvert. Et... à gauche, il y a une petite pièce. Alors, je pense, de toute façon, on va pas tarder à s'arrêter. Donc, on va juste visiter la petite pièce qui est à côté. On va laisser tout se sauvegarder. On va pas aller là tout de suite. On va juste récupérer les trucs. Énergie plasma, ça, ça fait du bien. Je pense que la créature qu'on a entendue... Vous savez les grosses créatures qui font peur là, celles qu'on avait combattues les deux dans les pièces précédentes. Je pense qu'il y en aura une parce qu'il y a une sorte de cul-de-sac en fait. Je sais pas si vous avez vu sur la carte, regardez. Vous voyez, nous on doit aller là. Mais ouais, mais tout à droite, il y a une espèce de cul-de-sac et je pense que là, il y aura un truc. Il y aura ces créatures-là. On va là ? On n'a pas le choix. Jamais trop prudent. Elle était encore... Je trouvais qu'elle était encore assez formée pour pouvoir m'attaquer, donc voilà. Là, normalement, elle est morte. Normalement. Énergie plasma. D'accord. Par contre, j'ai peur au retour. Il est là maintenant. Ok, y a rien. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'arrête ici? Vous allez me dire, on n'est pas loin, je pourrais aller là, d'accord. Le problème, c'est que j'ai... pas beaucoup le temps, en fait. Déverrouiller le dortoir B. Dortoir B, d'accord. Ah non, j'ai pas beaucoup le temps. Écoutez, on va s'arrêter là. Vraiment un épisode super court, mais... si je continue, donc déverrouiller, donc on aura ça à faire. Attendez, faudra aller là. Ouais. Oui, voilà. Faudra aller tout droit. Enfin, il y aura pas mal de choses à faire et je sais pas combien de temps ça va prendre. Après, je peux tester vite fait quand même. Bon, allez, on va sauvegarder, on va quand même tester. Voir si c'est trop long, on verra bien, au pire ce sera un long épisode. Parce que là on est bientôt à 25 minutes. Bon, je vais bien continuer encore un petit peu, mais encore un petit peu. Je sens que ça va être le bordel. Ah ! Ah non ! Non, 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 j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Toujours des tentacules. Ouais, oui, alors je dois viser. Non. Ouais, je suis mort, hein. c'est bon. Pas eu le temps. Ça va mieux avec le... ah, le trancheur, mais j'ai pas de munitions de trancheur. Alors c'est pas grave, on va recommencer. Toujours des tentacules, c'est chiant. Sérieux. Le trancheur, j'ai plus de munitions aussi. Ah ouais. Bon, on va y aller comme ça. Merci les crédits. J'ai même pas le temps de ramasser les crédits.
Allez, 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 s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Bah, vise. Allez. J'ai du mal à viser. Allez, vise, s'il te plaît. C'est mort, c'est mort. Je dois recharger, c'est mort. Mais j'ai pas le temps, mais... J'ai plus de mission de trancheur. Avec le trancheur, ça passe vraiment bien. Oh, purée, comment je vais faire? Il me faudrait des munitions de trancheur, mais j'ai pas. Mega PK, il fera pas assez de dégâts. On peut tester avec ça, mais... Ouais. Choc laser, mais ça va être moyen, quoi. Le temps que je recharge et tout. Déjà, on va bien récupérer ça. J'arrivais pas à les prendre. Oui, je sais. Allez. Laisse-moi viser, s'il te plaît. Voilà. Nickel. Non, on prend le méga PK. Avec le choc laser aussi, ça passe tranquille. Il faut vraiment le temps quand même. Il faut vraiment avoir le temps de le faire. C'est assez short, j'avoue l'avouer. J'aime pas cette ambiance. J'ai peur. Combien de fois j'ai dit j'ai peur dans cet épisode? Trop de fois, je pense. En même temps, c'est la vérité, ça fait peur. La vérité vraie. Bon, on va y aller de la petite telle. J'ai pas confiance. Petite salle. Objectif atteint. Ah, c'est bon. On peut repartir maintenant. On peut repartir, ouais. Je sens qu'il y aura des créatures qui vont tomber dessus. On va quand même lancer un petit soin. Je me prépare. Oui. Je me prépare à pleurer. Hop là. Bon, on recharge tout. Et là, je pense qu'on va pouvoir aller sauvegarder en espérant que dans la salle où il y a le point de sauvegarde, il n'y ait pas de créature par pitié. Apparemment c'est bon. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. J'espère que l'épisode vous aura plu. Désolé s'il est un peu plus court que les autres, mais bon, je vous ai dit, j'ai vraiment pas beaucoup de temps, donc voilà. Donc j'espère quand même qu'il vous a plu. C'est Kabine. N'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires. Et donc nous, on se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 30 du coup. Et donc la suite, c'est-à-dire... Allez dans le dortoir B pour récupérer les cartes de navigation. Voilà. Donc d'ici là, portez-vous bien. Et à la prochaine. Allez, ciao ciao.